Au cœur de Paris, Alain Brault, 54 ans, est propriétaire de ce très beau loft de 115 mètres carrés. Il est lui aussi inscrit sur cette plateforme et il est même devenu un peu expert en la matière. Il y a beaucoup de groupes qui viennent, des banques, compagnies d'électricité, compagnies de transport, beaucoup, des start-up. Il a déjà reçu plus de 150 entreprises chez lui pour des activités très variées. Donc de ce côté-ci, c'est plus pour des groupes pour réunions classiques. Donc là, on a de la place pour 14 personnes. Donc on a le vidéoprojecteur, on a l'écran à télécommande. Des réunions, des séminaires, des formations et même des cours de cuisine. L'emplacement de la cuisine est avec un îlot central. C'est parfait pour donner des cours de cuisine. Donc j'ai des professionnels qui viennent donner des cours de cuisine et les gens paient pour apprendre et cuisiner avec. Alain est inscrit sur la plateforme depuis près de 3 ans. Dès le début, son annonce a remporté un franc succès. Le premier mois où j'ai eu 7 réservations, j'ai dit waouh. Donc, ce premier mois-là, j'ai fait environ 2000 euros. Donc, dans un mois, pour une nouvelle activité. Et puis, au fil de l'eau, je me suis fait piquer par l'envie de continuer cette activité-là. À 600 euros la journée pour 115 mètres carrés, Alain réalise que son appartement peut lui rapporter beaucoup d'argent. Alors, il abandonne carrément son activité d'informaticien. Il met son loft sur plusieurs sites, lance sa boîte et devient loueur professionnel. Aujourd'hui, je peux dire qu'en salaire net, autour de 3000 euros par mois. Pour combien d'heures travailler par mois, par semaine? On va dire, une dizaine d'heures. Par semaine? Par semaine. Je ne cours plus du matin au soir. Donc ça, pour moi, c'est... j'ai des réveils le matin seulement quand j'ai des groupes. Le reste du temps, je fais un petit peu la grasse matinée. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'aller à la salle de sport. Et pendant que je fais du sport, je gagne de l'argent avec l'appartement qui travaille pour moi. Pour les particuliers, les revenus générés par ces plateformes de location sont imposables, à partir de 760 euros par an.